Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de la conjugaison. C'est les verbes partir, faire, être et avoir à l'impératif présent. Comme on a déjà vu, le mot impératif s'utilise pour exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Il se conjugue avec trois personnes, tu, nous, vous, et sans écrire le sujet. Directement le verbe, comme vous voyez ici dans ces phrases, fait ton devoir. Le verbe ici c'est fait. Son infinitif c'est le verbe faire. Soyons sages. Le verbe ici c'est soyons. Quel est son infinitif? C'est le verbe être. Et pour la dernière phrase, ayez le bon courage. Le verbe ici c'est ayez. Son infinitif c'est avoir. Et comme vous voyez, il y a directement le verbe sans sujet. Suivez avec moi, on va savoir comment conjuguer ces verbes à l'impératif. Pour le verbe partir, par, partant, partez. Faire, fait, faisant, faites. Et faites, attention, avec faisant, il s'écrit faisant, se prononce faisant. Pour faites, s'écrit avec AI, pas E. Pour les verbes être et avoir, le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, aille, ayant, aille. C'était notre leçon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et faites cet exercice.